من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي ملكه، وأشهد أن عظيمنا وسيدنا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته من علماء الآمنين وسائر أهل الإيمان الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن عما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tous les noms sont pour Allah, prière et salut d'Allah sur le propagateur du monothéisme pur, sur la surface de la terre, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de même que sur sa famille, ses compagnons et ceux les ayant suivis sur le droit chemin, chemin de la rectitude jusqu'au jour de la rédition des comptes. Suite à quoi, noble sœur dans la foi, nous rendons grâce à Allah soit-il, exalté soit-il, qui a permis notre retrouvaille ce vendredi, si je ne m'abuse, 14 du mois de Rajab de l'an 1442 de l'Hégire, correspondant au vendredi 26 février 2021. Ceci dans le but d'épurer notre menu spirituel sur la thématique « Un bon croyant doit avoir le comportement du chien ». Un bon croyant ou une bonne croyante doit avoir le comportement du chien. Nous savons, chers sœurs dans la foi, quand on parle du chien dans l'islam, on a tendance à avoir un mauvais regard. Et exactement, quelque part on doit avoir ce mauvais regard à cause des propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'endroit du chien. Le chien, bien aimé dans la foi, Allah Jalla wa Ala l'a mentionné dans le Coran al-Karim. Parmi les animaux, Allah exalté soit-il a mentionné cet animal dans le Coran al-Karim. Et dans les propos du prophète alayhi salatu wa salam, il nous a mis en garde contre le fait de garder le chien à la maison. D'abord, premièrement, il dit « Inna Allah, inna al-mala'afwan » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna al-mala'ikata la tadhulu baytan fihi kalbun wa la suratin » Rapporté, n'est-ce pas, par Ibn Majah « Wa sahahahu imam al-albani hafizahullah » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en vérité, al-mala'ikatu, les anges, la tadhulu baytan fihi kalbun, ils n'entrent pas dans une maison où s'y trouve le chien ou encore des photos. Allah. Toute maison qui a des chiens et des photos, les anges de la miséricorde ne pénètrent pas là-bas. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Et la parole du prophète est vérité. Car lui-même, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a été victime de cela. Un jour, alors que l'ange Gabriel, Jibril, alayhi salam, que la paix d'Allah soit sur lui,
Il a rendu visite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ce jour, Jibril alayhi salatu wa salam n'est pas entré dans la maison du prophète. Il s'est mis à distance et il a retourné. À une prochaine rencontre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ya Jibril, ô toi l'ange Gabriel, pourquoi es-tu venu l'autre jour chez moi me rendre visite, mais tu n'es pas entré chez moi, comme d'habitude? Alors c'est là où Jibril alayhi salatu wa salam lui informe que Ya Rasulallah, ô messager de Dieu, dans ta maison il y avait un chien et voilà pourquoi je ne suis pas entré. Car inna al-malaikata la tadghul baytan fihi kalbun wa la suratun. Les anges de la miséricorde ne pénètrent pas dans les maisons où se trouve le chien ainsi que des photos, des statuettes, des idoles. Et il dit, en réalité, il y avait le chien dans la maison du prophète. Car son petit-fils, entre Hassan ou Hussein, est allé s'amuser avec ses amis, des juifs. Et ils ont donné le cadeau d'un chien au petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, entre Hussein ou bien Hassan. Le rapporteur a douté entre les deux, mais c'est l'un des deux. Et l'enfant est venu, il a attaché le chien derrière la maison. Et c'est les raisons pour lesquelles l'ange Jibril, alayhi salatu wa salam, n'a pas pénétré la maison de qui? La maison de qui? Répondez. De Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y avait un chien là-bas. Voilà pourquoi les sœurs, mettons la passion à côté. La plupart des maisons, qu'on met des photos partout. La photo du mari avec sa femme, la photo Paul Biya m'a salué, le gouverneur m'a salué, on fait des pancartes avec des ornements dans la maison. Wallahi, summatallahi, billahi, les anges de la miséricorde n'entrent pas dans cette maison. Donc nous voyons le chien, Rasulullah a dit, les anges de la miséricorde n'entrent pas. Et la deuxième des choses, Rasulullah dit, lorsque le chien mange dans un récipient ou dans un plat, on doit laver le plat 7 fois. Et parmi les 7 fois-là, on doit laver 1 fois avec la poussière. On va laver 1 fois avec quoi? La poussière. Wallah, les scientifiques de nos jours, ils ont fait toutes leurs expériences. Ils ont démontré que dans la barbe du chien, il y avait des microbes. Et tous les atténuants qu'ils ont eus, les compositions chimiques qu'ils ont eu à composer pour tuer le microbe, là, ils n'ont pas pu. Et c'est à la fin qu'ils ont découvert qu'en réalité, le seul élément qui pouvait tuer ce microbe qui émane de la barbe du chien, c'est la poussière. Et là, ils sont sortis, ils ont fait leur publicité. Et on leur a dit, tempo, gardez le calme, car le grand scientifique et docteur mondial et international, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a parlé de cela il y a 1442 ans aujourd'hui. Alors, et certains vétérinaires américains également, ils ont fait des dernières découvertes récentes, que comme le prophète a dit, qu'il ne faudrait pas caresser le chien, comme on caresse souvent le chat. Il dit pourquoi Rasulullah a interdit cela. Les scientifiques contemporains sont arrivés au résultat. C'est des grands vétérinaires, n'est-ce pas, américains, et notamment un docteur que j'ai oublié le nom. Alors ils ont découvert que dans les barbes du chien, il y avait certains vers, certains microbes auxquels lorsqu'il se lèche, il laisse, n'est-ce pas, ces microbes, n'est-ce pas, au niveau de sa peau, c'est-à-dire de son corps. Lorsque toi, tu viens commencer à caresser, n'est-ce pas, des chiens, finalement, tu pourras être quoi? Infecté. Et il dit, c'est ce microbe qui entraîne souvent quoi? Là, les problèmes visuels. Ça entraîne, n'est-ce pas, quoi? La cécité, tu ne vois pas. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit en plus, tout musulman, ou musulman qui garde un chien, Maniktana qalban laysa biqalbi sayyidin wala mashiyatin wala ardin
فَإِنَّهُ يَنْقُسَ مِنْ أَجَرِهِ كِرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ رواه الإمام البخاري والمسلم. Dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari, notamment au hadith 5059, et dans le recueil authentique de l'imam al-Muslim, le numéro de hadith 2941, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, toute personne qui garde un chien à la maison, si ce n'est pas un chien de chasse, ni encore des gardes de bétail ou des animaux, alors chaque jour que Allah a créé, on rassemble toutes les bonnes œuvres équivalent à la montagne du mont Uhud deux fois et on jette Haba Ammanfou. Tu as beau faire des prières, obéir au mari, donner la bonne éducation aux enfants, faire le pèlerinage, la zakat, rendre visite aux malades, aider les orphelins, les pauvres, les démunis, parce qu'il y a un chien à la maison, tous ces œuvres-là, on les ramasse à l'équivalent de la montagne du mont Uhud qui se trouve, n'est-ce pas, à la mer, on jette cela. Voilà pourquoi les musulmans qui croient qu'elle est occidentalisée, modernisée, elle a des petits chiots à la maison, des chiens, ma soeur Allah, je suis blanc, je rentre, n'est-ce pas, dans le mal et tout là. Alors sache, ma soeur, qu'on ramasse tous tes œufs à l'équivalent d'une montagne et c'est devenu quoi? Poussiéreuse. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, a admise la garde seulement du chien pour trois raisons. Soit c'est un chien de chasse, parce qu'on l'envoie avec le nom d'Allah, Bismillah, allez va chasser, et l'animal qu'il arrête, alors le musulman directement doit consommer. Soit pour eux, la chasse, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'islam admet de garder les chiens. Ou encore pour la garde, n'est-ce pas, des bétails. Peut-être tu as un champ, tu as semé les maïs, les singes viennent souvent peut-être manger et autres là, tu as mis un chien pour cela, pour monter la garde, Alhamdulillah, on te l'admet. Ou encore pour les animaux. Mais en dehors de cela, il n'est pas permis. De garder quoi? Mais cependant, Allah Jalla wa Ala, il a mentionné le chien dans le Coran al-Karim. Près de deux ou trois endroits, si je ne m'abuse. Et Allah Azawajal, quand il mentionnait le chien, il nous a démontré que le chien était le compagnon de certains croyants. Allah. Dans la sourate Al-Kahf, la sourate de la caverne, auquel Rasulullah nous recommande de le lire chaque vendredi comme aujourd'hui. Il dit, dans la sourate de la Kabel au verset 22. Allah dit, Sayyakoulou, ils diront, Salasatun, que les gens de la Kabel étaient trois. Parce qu'il y a eu dispute. D'autres disent, ils étaient combien de jeunes qui étaient cachés dans la Kabel, ces croyants-là. Alors Allah Azza wa Jalla dit, ils diront qu'ils étaient trois. Rabi'uhum kalbuhum. Et que leur quatrième était leur chien. Voyons-nous la Hamsatun. D'autres disent non. Les jeunes de la caverne, eux, ils étaient cinq. Sadisurum, Kalmurum, Rajanam Dilgay. Et que leur cinquième, leur sixième, autant pour moi, Sadisurum, était leur chien. Ça, c'est selon, n'est-ce pas, leur consultation mystérieuse. Il dit, voyons-nous la Sabatun. D'autres ont dit non, les gens de la caverne, ils étaient sept. Wafaminuhum kalbuhum. Et que leur huitième était leur chien. Mahal al-Shahi, de toutes les façons, nous comprenons par le biais de ce verset que celui qui a été, ou encore l'être, qui a été le compagnon de ces croyants, dans la grotte, dans la caverne, c'était qui? Le chien. Mais pourquoi? Quelque part, le chien a des comportements
que le musulman, le bon croyant musulman, musulman ou la bonne croyante musulmane devrait copier. Parmi les comportements du chien, nous savions que chaque chien a un maître. Nous sommes d'accord, non? Il a le maître, il a son maître. Mais nous, le croyant, quel est le maître, n'est-ce pas, des croyants? Qui est le maître des croyants? Hein? ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال كوايا إنبوك الله إذ السنيا فاسمو ميزيريكو Excusez nos fautes. Fasse-nous miséricorde. Pardonne-nous. Anta Maulana, car tu es notre maître. Allah Maula Ladina Aman. Allah est le maître de ceux qui croient. Allah est le maître des croyants. Tel que l'homme est le maître, n'est-ce pas, du chien. Quel est le premier comportement? Lorsque le maître arrive, Allah. Dans une maison, qu'est-ce que le chien fait lorsqu'il voit son maître? Si vous aviez déjà constaté le chien, qu'est-ce qu'il fait? Il court rapidement vers qui? Vers son maître. Allahu Akbar. Dans le but d'accueillir qui? Son maître. Et c'est ce que toi également, la musulmane, la croyante, tu dois faire. Quand on dit que c'est la parole de ton Seigneur, tu dois courir. Vers quoi? Vers la parole de ton Seigneur. Fafirou ilallah. Allah dit fuyez vers Allah. Quand on te dit c'est Allah, fuis vers lui. Entre le mari et la femme, qui est le maître? Le mari. Qu'Allah te bénisse, ma soeur. Mais est-ce que toi, la femme, lorsque le maître là, arrive à la maison, tu cours vers lui ou bien tu es assis au canapé, en train, n'est-ce pas, de regarder les séries, les visions, les nouvelles TV? Non! Une croyante doit avoir le comportement du chien. Dès que le petit maître là, le cœur qui arrive là, dès qu'il arrive, on ne te demande pas de rester sur place. Couvre ton maître, tu l'accueilles. Masha'Allah, il est content. Lorsque ton papa ou ta maman arrive, c'est eux tes maîtres. Alors tu dois courir vers qui? Vers ton maître. Ça, c'est ce que le croyant devrait avoir. Voilà ton maître qui t'enseigne la religion. Allah. C'est lui qui est ton professeur. Est-ce que c'est l'élève? Est-ce que c'est le professeur qui va courir vers l'élève? Ou bien c'est l'élève qui couvre le maître? Wallahi! Aujourd'hui, nous voyons des croyants qui devait avoir ce comportement du chien. C'est nous qui allons courir vers le maître. Celui qui nous enseigne, n'est-ce pas quoi? La religion. Ali ibn Abi Talib. Il dit, Ana Abdul Man Allamani, Hanfan min al-Quran. Il dit, Wallahi, je suis l'esclave de celui qui m'enseigne ne serait-ce qu'une seule lettre du Coran al-Karim. Regardons le prophète Moussa alayhi salam, Moïse, que la paix d'Allah soit sur lui. C'est quelqu'un qui a parlé en direct avec Allah. Voilà pourquoi on l'appelle Moussa Kalimullah. Celui qui a parlé en direct avec qui? Allah. Et il fait partie des 5 grands messagers parmi les 124 000 prophètes envoyés à l'univers. Il fait partie des 5. Oulazal. Mais regardons, il y a un autre serviteur d'Allah qu'on appelle Hadir. Allah. Hadir. Il y a divergence chez les savants. D'autres disent c'est un prophète. D'autres disent non. C'est un saint. C'est un bien-aimé d'Allah. Wallahu a'lam. Mais regardons, malgré tout, le bagage intellectuel de Moussa alayhi salatu wa salam, Allah lui dit. Toi, Moïse, va vers Hadir, chercher le savoir. C'est Moussa qui a depuis de longs voyages vers qui? Vers le maître.
jusqu'à ce qu'il dit le kadal kina min safadina hadha nasaba. Wallahi, on a trouvé autant de fatigue, on a été harassé par la fatigue durant ce voyage. Donc ça veut dire quoi? Un croyant doit avoir ce comportement. Il doit courir vers qui? Vers son supérieur, vers son maître, tel que le chien, lorsqu'il voit son maître, il court vers lui. Lorsque le chien va vers le maître, vous allez voir, lorsqu'il arrive, il bouge, n'est-ce pas, la queue comme ça. D'accord? Pourquoi il bouge la queue? En bougeant la queue, ça a deux significations. Une, c'est pour la salutation. C'est pourquoi? La salutation. Voilà le comportement d'un musulman. Un bon croyant est celui-là qui doit toujours saluer et être accueillant envers, n'est-ce pas, ses frères, envers ses mères, envers ses sœurs. Il doit saluer. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: La tadkhulu al-jannata hatta tu'minu. Vous n'entrerez jamais au paradis jusqu'à ce que vous ayez la foi. Voilà, tu'minu hatta tahabu. Et vous ne sauriez avoir la foi jusqu'à ce que vous entraîniez les uns et les autres. Il dit: Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabtum. Ne vous dites-vous pas que je vous indique quelque chose, que si vous le fassiez, vous allez vous entraîner les uns et les autres? Alors le messager dit: Afshu salam baynakum. Rawahu al-Imam al-Muslim. Le prophète dit quoi? Répandez la salutation entre vous. Alors, répandez la salutation entre vous. Cela vous ferait, n'est-ce pas, vous aimer les uns et les autres. Combien de musulmans saluent? De combien tu entres dans leur bureau, tu le vois musulman. Tu la vois muslima, tu dis assalamu alaikum wa rahmatullahi, bonjour. D'autres me froissent le visage. La ilaha illallah. Non, nous devions avoir le comportement du chien en matière de salutation. Et les experts, dans le dressage des animaux, ils disent: lorsque le chien est face à son maître et qu'il bouge la queue, premièrement, c'est un signe de salutation qu'un bon croyant devrait avoir, parce que c'est la règle d'or, le premier élément de la bonne séance en islam. Mais l'autre s'élève, son mari, ils ont dormi, même lit, elle s'élève le visage d'un coup comme ça, elle la croise, elle ne salue pas. Lui aussi vient de dormir avec elle, il ne la salue pas. S'il faut saluer, c'est quand? Qu'Allah le guide. Les savants disent, lorsqu'ils dressent la queue, c'est également pour exprimer sa joie. Allah. C'est pour exprimer quoi? Sa joie. Et ça, c'est le comportement du croyant. Un croyant, une croyante, lorsqu'elle voit son frère, sa soeur, elle doit accueillir sa soeur avec un visage radieux. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans le recueil rapporté par Imam Tirmizi, selon l'espoir Abi Zagh al-Ghifari, radiallahu anka Allah l'avait, قال il dit, قال Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah prière et salut d'Allah sur lui, il dit: Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun. Allah. Le messager d'Allah dit: Le sourire que tu dois adresser à ton frère, à ta soeur, wallahi, cela équivaut pour toi une aumône. Ma soeur, tu n'as pas l'argent pour donner la sadaqa. Mais moi, Aïcha, Maïmouna, Saouda, Hannetou, c'est comment ma soeur? Avec un visage à Dieu, on t'inscrit, n'est-ce pas, la sadakat. Ça, c'est le comportement des bons croyants. Mais combien de musulmans aujourd'hui et de musulmans accueillent leurs frères, leurs soeurs avec un visage à Dieu, souriant?
Le mari rentre à la maison, elle est là, elle a froissé, n'est-ce pas, la face, on dirait, n'est-ce pas, les nuages de décembre qui voulaient pleuvoir. Oui, il y a osé l'île. Ça, c'est quel genre de comportement? Tu vois ton frère, il arrive dans ton lieu de service, tu as froissé le visage, tu ne veux même pas qu'il te salue. Dès que tu vois un petit pauvre, ou bien un démuni, frappé de assalamu alaykoum, tu froisses le visage parce que tu ne veux pas qu'on te demande ton argent. Voici à moi les gens qui Allah dit même ton argent là, il y a un droit pour les mendiants et les pauvres là. C'est son droit. Donne-lui. Un bon croyant doit avoir le comportement du chien en matière de quoi? D'exprimer sa joie, d'avoir un visage radieux. Comme quatrième comportement du chien que le croyant doit avoir, c'est la suivante. Je pose une question. Avez-vous déjà vu un maître avec son chien? Il a appelé son chien n'est pas venu. Il fait... Et le chien refuse de venir. Vous avez vu ça? Alors... Dès qu'il fait... Minou, minou, minou. Vous allez voir le chien rapidement, il répond à l'appel des filles, de son maître. Voilà ce que le croyant également doit faire. Une croyante doit également répondre à l'appel de qui? D'Allah et son messager. Parce que c'est Allah qui est son maître. Allah Azza wa Jalla dit: Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَغُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُخْشَوُونَ الَّذِي أُوْفُتِيَ بِكُمْ إِسْتَجِيمُوا لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ. Répondez à l'appel d'Allah ainsi que son messager. Tel que le chien répond à l'appel de son maître, il ne récidive pas, il ne refuse pas, il ne fait pas volte-face, il répond immédiatement. Allah dit istadibu lillahi wa li rasuli izada'akum. Répondez à l'appel d'Allah et son messager lorsqu'il vous appelle. On appelle chaque jour ici, chaque vendredi dans la mosquée de Bolamou Sadi pour les prêches. Combien sont ceux qui répondent à l'appel d'Allah Azza wa Jalla? Et il dit, répondez à ce qui vous donne la vie. Parce que répondre à l'appel d'Allah et son messager, wallahi, c'est ce qui vous donnera vie. D'ici bas et dans l'au-delà. Wa'alamu et sachez, annallaha yaqulu bayna al-mar'i wa qalbi. Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. Wa annahu ilayhi tushurun. Et sachez que c'est vers lui que vous allez retourner. Allah dit, ya ayyuhalladhina amanu. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الذي أوفك بكم. Une fois qu'on a fait l'appel à la prière. الله أكبر الله أكبر. Allah est très grand. Allah est très grand. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée sauf Allah. Deux fois. J'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Deux fois le musée de l'église. Hayya ala salah. Venez à la prière. Allah. Qui appelle? Notre maître. Qui est qui? Allah jalla wa ala. Hayya ala salah. Venez à la prière. Hayya ala al-falah, venez, n'est-ce pas, au grand succès. Allahu akbar, Allah est grand, Allahu akbar, Allah est grand, la ilaha illallah. Point de divinité digne d'être adoré sauf Allah. Pendant qu'Allah appelle, toi tu dis, ah, il y a des divinités digne d'être adoré que toi, Allah. Non, mais la signe est une divinité digne d'être adoré que toi. Non, mais où il y a Allah, c'est plus digne, n'est-ce pas, d'être adoré que toi. Barcelone contre Manchester, c'est plus digne d'être adoré que toi. Mon petit fiancé qui vient d'arriver avec l'Android, c'est plus digne que toi, il y a Allah. Elle est là, elle répond, n'est-ce pas, à une autre appel.
Wallahi, un bon croyant doit répondre à l'appel de qui? De son maître Allah, Jalla wa Ala, tel que le chien répond à qui? À son maître. Qu'Allah Zawajal nous fasse comprendre. Comme cinquième comportement, Allah avant d'y arriver, combien de femmes répondent, n'est-ce pas, à leur maître? Le petit maître, c'est qui? Dites la vérité. Répondez. Le mari, le petit cœur, lorsqu'il t'appelle, est-ce que tu réponds? Djoum! Elle s'appelle Djoum. Il dit Djoum! Elle est là, elle est incapable de répondre. Elle est là, Djoum devant la télé, Djoum devant ses affaires, Djoum devant l'Android. Jusqu'à ce que ça bouge, n'est-ce pas, la voix calme. Istadibou, Wallah, il répondit, parce que c'est ton maître. Ton paradis est au-dessous de son pied. Une femme à l'époque du prophète est venue se plaindre de son mari. Ya Rasulallah, Wallah, il m'a fait ceci, il m'a fait ceci. Le prophète dit, Unzuri. Regarde bien. Le mari là, il est soit ton paradis ou encore ton enfer. Combien sont ceux qui répondent à leur maître et leur maîtresse, le père et la mère? Est-ce que lorsqu'il t'appelle, tu réponds à l'immédiat? Si elle a avec, n'est-ce pas, des camarades, des copines, vous êtes dans l'Android, ah la matière, si elle dérange, tu le pâtes là, vraiment, il dérange. Non. Une bonne croyante doit avoir le comportement du chien. Lorsque le maître appelle, immédiatement tu réponds. Nous avions vu l'histoire de Zuraïdou, un homme pieux parmi les Banu Israël, parce que la maîtresse qui était sa maman est venue l'appeler, une prière de Nawafi. Zuraïdou, il dit, ya Allah, ma mère ou la prière? Wallahi, le lendemain, elle revient. Elle le trouve toujours en prière. Elle appelle, il ne répond pas. Le lendemain, elle revient. Elle appelle, il ne répond pas. Elle lui a maudit. Elle dit, ya Allah, fasse, n'est-ce pas, qu'il soit atteint des ruses des femmes. Et regardons la parole d'une maîtresse quand on désobéit à son appel. Parce que le chien ne désobéit jamais à l'appel de son maître. Il sait ce qui va l'arriver, non? qui refuse de venir, alors? Il sait ce qui va l'arriver. Alors, du Réido, Wallah, il parle après, il y a une prostituée parmi les enfants d'Israël qui a accouché son enfant bâtard et on a monté contre lui et il a dit que c'est lui qui a enseigné. Tous sont venus hier, c'était quelqu'un pieux auquel on demandait de l'évocation, on a détruit toute la tente qu'il était et on a voulu l'exécuter. On a réuni tout le monde pour l'humilier. Alors, à quelques minutes de son exécution, alors, il demande au roi de lui permettre de faire deux nawafil de prière. Il a fait deux nawafil de prière. Il a demandé pardon à Allah. Dès qu'il est venu, il a dit, oh toi bébé, nia, nia. Il dit que non, ne fais pas, nia, nia. Ouvre ta bouche et dis qui est ton père. On dit que l'enfant a ouvert la bouche. Il a dit, celui-ci n'est pas mon père, voilà mon père. Ils font partie des trois enfants qui ont parlé à leur enfance comme Jésus, fils de Marie. Ceci pourquoi? Parce qu'il n'a pas répondu à l'appel de qui? De la maîtresse. Le père et la mère. Le mari. Parmi le comportement du chien, Wallah, nous allons voir que le chien, lorsqu'il est dans une maison et qu'il y a des étrangers, il fait comment? Wouh! Quand il voit tout étranger, il voit aboyer. Pourquoi? Parce que voilà un étranger qui vient entrer dans la maison de qui? De son maître. Il veut peut-être venir imposer une loi où? Dans la maison de qui? De son maître. Nous voyons l'aboiement du chien ici a deux significations. Premièrement, c'est pour protéger son maître. Le chien a pour rôle de qui? De protéger. Et
la dignité, la personnalité de son maître et les biens également de qui? De son maître. Parce qu'un voleur ne peut pas venir facilement arracher les biens quand le chien est là. Il doit défendre, n'est-ce pas, son maître jusqu'à la dernière énergie. Go, go, go. Voilà ce qu'on veut également d'un croyant. Une croyante doit défendre, n'est-ce pas, sa dignité. Elle doit défendre sa richesse. Rassurez-moi dans le sermon dans Dieu. Il disait que sachez dès aujourd'hui, en ce lieu sacré, en cette journée sacrée, que la dignité d'un musulman, les biens, n'est-ce pas, d'un musulman, la religiosité d'un musulman, tout cela sont sacrés. Voilà pourquoi le musulman, un bon croyant, doit tout faire pour défendre sa dignité, pour défendre sa religiosité, pour défendre ses biens. Et le prophète dit, tout croyant qui meurt en défendant cela, il meurt martyr. Où est la dignité des musulmans aujourd'hui? Quand toi, une musulmane, tu parlais que déshabillé devant Jean-Baptiste, devant n'est-ce pas Francis, devant n'est-ce pas tant que Jacques, as-tu défendu, n'est-ce pas, ta dignité? As-tu défendu la religion d'Allah Jalla wa Ala? Comme le chien défend, n'est-ce pas, son maître et défend, n'est-ce pas, la dignité de son maître? Là, Allah, tu as vendu ta personnalité, ta dignité, et tu as vendu l'islam, parce qu'on dit voilà les femmes musulmanes qui sont des prostituées, voilà les femmes musulmanes que nous prenons, n'est-ce pas, à la messe. Une croyante doit défendre sa dignité, ses biens, sa personnalité et sa religiosité, telle que le chien, n'est-ce pas, le fait. Et pourquoi aboie-t-il le chien lorsqu'il voit des étrangers? Ça, la croyante également doit avoir ce comportement. Dans quel sens? Dans le sens où, s'il y a toute chose étrangère dans la loi de ton Seigneur, qu'on appelle des innovations, la bidia, tu dois te lever et défendre, n'est-ce pas, toute bidia. Puisque la bidia, c'est quelque chose d'étranger dans la religion. La sourate là, qu'est-ce qu'il dit? Man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Toute personne qui apporte une chose étrangère, une innovation, quelque chose de nouveau dans la loi d'Allah, dans la prescription d'Allah, dans les injonctions d'Allah et son messager, qui ne fait pas partie de la législation islamique, fa huwa radd. On doit le rejeter avec toute l'énergie. Voilà pourquoi vous voyez le chien n'admet pas d'étrangers. Toi également, tu ne dois admettre aucune innovation, aucune chose, n'est-ce pas, étrangère dans la maison de qui? Dans la religion d'Allah Jalla wa Ala. Ça, c'est le comportement que doit avoir, n'est-ce pas, la musulmane. Sixième comportement. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque Shaitan, il voit, lorsque le chien aboie, Allah. Le prophète dit, cherche protection auprès d'Allah contre Shaitan le lapidé. Pourquoi chercher protection auprès d'Allah contre Shaitan le lapidé lorsque le chien aboie? Alayhi salatu wa salam, il nous dit, c'est parce qu'il a vu Shaitan le démon. Lorsque le chien voit le démon, il aboie. Et Rasulullah dit, lorsqu'il aboie, cherchez protection également auprès d'Allah contre qui? Les démons. Il voit les mauvais esprits. Il voit ce qui n'est pas bien. Et le démon, c'est la source du mal ou bien c'est la source du bien? Hein? C'est à vous que je pose la question. Le démon, Shaitan est la source de quoi? Du mal. Ça veut dire que toi, croyante, tu dois copier le comportement de ce chien. Que lorsque tu vois un mal, wallah, il défend. Aboie. Allahu Akbar. Aboie. Montre à la personne que le mal, là, tu n'es pas d'accord. Raison pour laquelle Rasulullah dit, Man ra'a minkum munkaran fa yughayyiruhu bi yadihi. Wa in lam yastati fa bi lisanihi
وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Le messager d'Allah dit quiconque dévote voit un mal qui ne l'empêche pas les mains. Si tu peux fouetter, fouette. Mais certains savants ils disent que ça c'est pour les autorités. Mais tout le monde est autorité également à ton niveau. Si tu ne peux pas avec la langue à boire dire que c'est haram, tu vois une femme qui insulte le mari et sort sans la permission du mari. Wallah, ma soeur, ça c'est un mal. Ne reste pas tranquille. À boire. Dis-lui que le prophète a dit Ayyuma imra'atin hagadan min dariha bighayri izin li zawjiha la'anaha mala'ikatu samawati wal ard hatta tardi. Le prophète a dit toute femme qui sort de la maison sans la permission de son mari, les anges de cette fille de cette terre la maudit jusqu'à ce qu'elle rentre. Si tu vois, n'est-ce pas, les soeurs, sortir sans le voile, des enfants, n'est-ce pas, dans l'égarement, la femme dans l'égarement, à boire. Combien sont les mamans qui voient, n'est-ce pas, leurs enfants dans les mauvaises choses, ils restent tranquilles. Bouchemer, ils ne disent rien. Leurs enfants sont dans la désobéissance. L'enfant n'a pas prié, c'est pas son problème. Combien sont des hommes mariés qui voit une femme dans la désobéissance à Facebook, à Imo, à Instagram, il la voit dénudée. Il est Imo. Mais pour peu qu'on a cassé son verre d'eau, ça devient des problèmes jusqu'à ce qu'il divorce. Mais le droit d'Allah, on piétine, on bafoue, on viole, il est Imo. Wallahi, on doit avoir ce comportement du chien. Tel que le chien, lorsqu'il voit, n'est-ce pas, un étranger, il la boit. Il voit Shaitan, il la boit, qui est la source du mal. Nous également, on doit avoir ce comportement. Un croyant, une croyante, doit avoir ce comportement que lorsqu'elle voit le mal, elle doit aboyer. Qu'elle fait tout pour l'interdire. Car Allah dit Kuntum khayra umma, ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure des communautés suscitées parmi tant d'autres, en ce sens que vous ordonnez le bien et vous prescrivez quoi? Vous proscrivez le blâme et vous croyez en Allah. Et Rasulullah dit, dans un hadith rapporté par Huzayfah ibn Yaman, Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'après le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit, Wallazi nafsi biyadi, je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains. La ta'amurunna bil ma'ruf, wa la ta'awunna anil munkar, aw la yab'athanna alaykum qawman, summa tada'unahu fala yastajibu lakum. وفي رواية أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم إكابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الإمام الترمذي. Le prophète dit, je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains. Tant que vous n'ordonneriez pas le bien et que vous n'interdisiez pas le blâmage, alors il se pourrait que Allah Azza wa Jalla vous envoie un châtiment. Ou encore des hommes dictates et que vous invoquiez Allah, Allah ne répond pas. Parmi les comportements du chien, il y a la continence et l'endurance. Allah. Avez-vous déjà vu un chien dont le maître a acheté le shawarma ou le kilifi ou bien la viande? Il est en train de manger. Le chef fait wouh wouh. Il veut un peu. Le maître, il bat, il refuse. Est-ce que le chien se rébelle? Par moment, vous allez voir, vous mangez toute la viande devant lui. Il va finir par aboyer, il va finir par rester tranquille, vrai ou faux. Il s'abstient de ce que Allah Azza wa Jalla lui a donné. Voilà comment toi aussi la croyante tu dois être. Si Allah a donné coton suisse de l'autre côté, hollandais de l'autre côté, petit rafat de l'autre côté, et que toi tu n'as pas eu, wallah, il soit comme le chien. Puisqu'on t'a refusé, abstiens-toi. Ne pas voler. N'entre pas dans les sectes pernicieuses parce que tu veux avoir absolument ce qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas encore décrété pour toi. Voilà ce qu'on vous donne, l'espoir du croyant. Et parmi comme huitième comportement,
il y a le fait de supporter les épreuves. Allah. Je pose une question. Vous aviez déjà vu un chien avec son maître. Le maître arrête. Le chien fait wouh wouh. Il veut la nourriture. Le maître refuse. Et par-dessus tout, le maître arrête, n'est-ce pas, le chien. Il fouette, il bastonne correctement. Malgré les bastonnades, là, vous avez vu un jour que le chien a fui la maison. Parce qu'on l'a bastonné. Alors, ouais. Vous connaissez le chien, non? Le maître, il arrête et bon, il prend la ceinture, wap, il fait wap, 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 wap. Vous aviez vu un jour, malgré tous ces bastonnades-là, le chien a dit que bon, maintenant, comme tu vas taper, je ne dors pas dans cette maison. Là, voilà. Il est toujours là. Vrai ou faux? Même si on finit par le bastonner et que le maître dit minou, 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 il vient ou il ne vient pas? Il vient. On voudrait que toi, la croyante, tu aies ce comportement. Ça veut dire que Allah Azza wa Jalla nous a parlé de certains dans le Coran. Quand Allah Azza wa Jalla les éprouve, quand ils sont dans l'aisance, mashallah. وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مُبْتَلَاهُ رَبَّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Allah dit c'est le par moment que Allah l'éprouve avec le bien. Allah. Son Seigneur l'éprouve avec le bien. Il y a un peu la starette. Il y a les shawarma, œufs garnis le matin. Et il y a, n'est-ce pas, les yaourts. Il y a, mashallah, poulet braisé le soir. Voilà la rafkat. Voilà, n'est-ce pas, le climatiseur. Alhamdulillah. Coton suisse, dentelle, super wash. Mashallah. Et dit. Ah, Rabbi Akraman. Oh, mon Seigneur m'a honoré. Je suis en haut, ma soeur. Moi, je ne peux pas savoir, je suis plus encore dans votre escalier. Je suis en haut. Mais qu'est-ce qu'Allah dit? Wa amma iza mabtalahu fa kadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Mais une fois que Allah l'a éprouvé et qu'il a restreint les biens, il n'y a plus encore cette année. Elle commence à la Mohammedia dans le soleil et dans la pluie. Il n'y a plus encore le portable Android. Maintenant, on est quitté le coton suisse. Maintenant, c'est au Sika. Du Sika, on est rentré dans Nestet. Oui, il y a Ouzubillah. Et dit Rabbi Ahanan. Wallahi, mon Seigneur, il m'a habillé. Il m'a reconnu. Là, voilà. Directement. Elle abandonne. Parmi les hommes, il y a ceux qui adorent Allah marginalement. Lorsque il y a un bien, il se tranquillise et il s'en tranquillise avec le bien. Mais tant qu'il y a un malheur, alors il tourne sa face. Perdant, n'est-ce pas, le bas monde ainsi que l'au-delà. Zalika wa usfanu mubin. Allah est une bête évidente. Quand on la touche avec un malheur, elle laisse maintenant le maître. Qui est qui? Allah Jalla wa Ala. Elle dit, oh, moi c'est toujours comme ça. On m'a venu, oh, je suis venu au monde, n'est-ce pas? Allah a commencé la combine. Tous les malheurs là, c'est chez moi. Ma fille là, elle ne peut pas marier. Même l'argent qu'on avait là, c'est déjà fini. La petite boutique que j'ai gérée, il n'y a plus ça. Moi, même les prières là, je ne viens même pas. Même la mosquée là, là voilà, elle abandonne qui? Son maître Allah. Et un point pour mettre maintenant le marabout, le féticheur, le charlatan. L'autre maintenant, puisqu'on a restreint les biens, il abandonne maintenant qui Allah. Il couvrait les secrets pernicieux. L'autre, n'est-ce pas, parce que Allah l'a éprouvé, il couvrait le vol vers les arnaques. Pourquoi? Il a abandonné Allah. Sois comme le chien. Si Allah te prouve en bien, tu es fidèle à Allah. Si Allah te prouve également en mal, il reste. Sois toujours avec qui? Allah Jalla wa Ala. Et rapidement, comme le bien. Wallahi, aviez-vous déjà vu un chien auquel le maître l'a tapé, bastonné, empêché, n'est-ce pas, de manger? Il a mangé même devant lui, le refusé. Il a donné à toute sa famille à la maison. Mais lui, le chien l'a refusé. Et le chien s'est rébellé contre son maître.
Vous avez vu? Le chien dit que bon, dès aujourd'hui, là, je vais faire une marche. Le chien décide de faire la marche. Ou bien il décide de dévorer son maître. Parce que quoi, son maître l'a bastonné, il lui a refusé, pourtant il en avait. Wallah, il n'y a pas de chien qui le fait. Il est toujours soumis à qui? À son maître, dans l'aisance, tout comme dans le malheur. Voilà pourquoi le prophète dit. Autant pour moi, un croyant doit avoir le comportement de qui? Du chien. En islam, on ne se rebelle pas contre son dirigeant. Contre son chef. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith rapporté par Abu Hurayra, il dit, alayka sam'u wa ta'a. Tu dois obéissance et écoute. Tu dois écouter et obéir. Fi usurika wa yusurika. Dans la jeune comme dans les ans. Wa man shitaka wa makarihika. Que ce soit dans ce que tu aimes ou dans ce que tu détestes. Wa asaratin alayka, même si tu es lésé dans le passage. Allahu akbar. Ça, c'est le comportement que doit avoir le croyant. On ne se rébelle pas contre les dirigeants. Si ton dirigeant, il ne fait pas mal, tant que ce n'est pas une mécréance avérée, alors l'islam ne te demande pas de faire un soulèvement contre qui? Ton maître. Contre qui? Ton dirigeant. Tel que le chien ne se soulève jamais contre son dirigeant. Parce que le mari ne t'a pas acheté le poisson braisé. Tu te soulèves. Parce qu'il ne t'a pas acheté, n'est-ce pas, le business. Ça devient le problème. La ilaha illallah. Et on ne maudit pas son dirigeant. Le prophète dit, ne les maudissez pas. Voilà pourquoi vous voyez l'Algérie aujourd'hui, qui se soulève contre son dirigeant aujourd'hui, voilà que ce n'est pas islamique. Bien que ce soit un pays, n'est-ce pas, islamique. L'islam ne nous enseigne pas ça. Tel que le chien ne se soulève pas contre son dirigeant, alors l'islam ne te permet pas de te soulever contre qui? Ton dirigeant. Et pour finir, comme dixième comportement, que le croyant doit avoir du comportement du chien. Lorsque vous voyez un chien dans la nuit, en train de dormir, d'accord? Vous entrez dans une maison, le chien en train de dormir à 1h de la nuit ou à 2h. Dès que vous affranchissez déjà la porte ou la barrière, il se réveille ou ne se réveille pas. Hein? Vous avez vu un chien qui a passé toute la nuit à dormir, les bonhommes sont venus jusqu'à. Pendant que tout le monde arrive, ils dorment, ils vont pour moi, jusqu'à, n'est-ce pas, au réveil. Et puis on dit, ouais, à 4 ans, on dit que chien, tu étais où, les bonhommes sont venus. Là, voilà. Donc un croyant doit avoir ce comportement du chien. Pourquoi? Parce que le chien, c'est ses yeux qui dorment, mais son cœur ne dort pas. C'est les yeux qui sont comment? Couverts, mais le cœur est comment? Éveillé. Et ça, c'était le caractère du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, inscrit dans la Torah et dans l'Évangile. Parce qu'il était dit dans la Torah et l'Évangile que parmi les caractères du dernier messager envoyé à l'univers, il dort des yeux, mais le cœur ne dort pas. En d'autres termes, chaque nuit, Rasulullah s'est levé pour Qiyamul Layl, la prière nocturne. Et voilà ce qu'on voudrait également d'un bon croyant ou une bonne croyante. Elle doit voir le comportement du chien. Elle ne doit pas passer toute la nuit seulement à dormir. Non, elle doit penser également se réveiller et implorer qui son maître, qui est qui? Allah Jalla wa Ala. Parce que Allah a vanté les mérites de ceux et celles-là qui se lèvent, n'est-ce pas, dans la nuit. Wa ibadu rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawla wa idha hatabahum al-jahiluna qalu salam walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Les serviteurs du tout miséricordieux, c'est ceux qui passent toute la nuit debout et prosternés devant leur Seigneur. Donc une bonne croyante doit copier le chien en matière d'éveil de nuit et de prier pour son Seigneur. Ce que nous avions dit en bien, puisse Allah nous donner plus la récompense et ce dont nous avions pensé, qu'Allah nous donne le pardon. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.